Je me trompe peut-être, mais je pense que le blocage va s'essouffler parce que là, tout le monde ne peut pas faire grève. Même les grévistes disent que ça nous coûte de l'argent. Donc déjà, ça me paraît compliqué. Là où je rejoins Thomas, c'est que ça va pénaliser le particulier. Et je trouve que c'est un acharnement inutile. La réforme, elle va passer, tout le monde le sait. Ah bon? Moi, je pense qu'elle va passer. Dans tous les cas, il la passe en force. Donc en fait, les grévistes devraient arrêter alors. Moi, je pense que oui, parce que même pour moi, dès qu'il y a grève, je suis obligée de me cloîtrer chez moi, de faire tout à pied. Enfin, c'est impossible de trouver un taxi. Alors oui, ça fait un peu égocentré de dire ça. Je l'admets, mais ça pénalise tout le monde. Au bout d'un moment, ça va pénaliser les mauvaises personnes, les travailleurs. Et là, le jour de départ en vacances, c'est pas le gouvernement qui va être pénalisé. Non, alors, mais tu dis de façon, de toute manière, moi, le gouvernement aura le dernier mot. Donc, évidemment, je pense qu'il va falloir finir par se résigner. La force syndicale est nettement affaiblie quand on regarde les syndicats. Là, c'est pas, là tout de suite, ça. À l'instant T. Oui. Mais par rapport à il y a 20 ans. Là, quand même, même quand on compare avec 95, on est dans la fonction publique, il me semble qu'ils sont 20%. Alors, il y avait plus de monde dans la rue, ouais. Voilà, mais il y avait un petit. Le taux de grévistes était légèrement inférieur. La seule différence, c'est. Pardon de t'avoir coupé. Vas-y. C'est juste qu'on voit des gens qui n'étaient pas dans la rue, qui ne sont pas dans la rue habituellement, rejoindre le mouvement. Ça, c'est vrai que c'est une différence notable. Non, mais on peut quand même le souligner. Y compris dans les petites villes. Oui, partout. Mais là où je trouve qu'il y a une distinction, c'est que je pense que ça va s'essouffler parce qu'on fait grève une fois. On peut le faire une fois. Je l'avais vu pour le mouvement des avocats. Le premier jour, tout le monde est en bloc. Au bout d'un moment, on voit l'argent qu'on perd, on se dit, ah oui, bah ça va être compliqué. Mais